Yvan Détrasse, bonjour. Vous êtes architecte directeur chez Bruit du Frigo. Bruit du Frigo est un hybride entre bureau d'études urbains, collectif de création et structure d'éducation populaire qui se consacre à l'étude de l'action sur la ville et le territoire habité à travers des démarches participatives, artistiques et culturelles. Est-ce qu'en quelques mots, pourriez nous redéfinir les objectifs de votre structure ? Alors, Bruit du Frigo, donc, c'est effectivement une structure qui réunit des architectes, des urbanistes et des artistes qui ont choisi de pratiquer leur métier un petit peu différemment pour travailler beaucoup plus en lien avec le quotidien et aux côtés des habitants et de la société civile pour essayer de monter des projets qui cherchent à donner une place plus forte à l'implication de la population dans la définition des projets urbains. Alors justement, vous parlez dans le cadre de ces projets d'une démarche participative, artistique et culturelle. Qu'en est-il exactement ? Alors en fait, dans notre manière de travailler, on vient investir un territoire, un quartier par exemple, et où on va séjourner pendant une période qui peut durer assez longtemps, parfois plusieurs années, où on va proposer de mixer différents types d'approches. Donc une approche qui consiste à investir l'espace public pour le transformer souvent de manière temporaire autour de petites installations ou de grosses installations qui changent la face du quartier, qui permettent d'utiliser les espaces publics un peu différemment. Alors justement, sur ces installations, comment sont-elles accueillies par le citoyen et a fortiori, comment est-ce que vous êtes accompagné par les collectivités territoriales sur ces projets ? Alors c'est souvent les collectivités territoriales qui nous sollicitent pour développer ce type d'approche un petit peu innovante, décalée de la concertation en fait, parce que l'objectif c'est quand même de faire travailler les gens autour d'un projet, d'un objet de travail. Et la population souvent est plutôt réceptive à ce type d'approche parce que ça prend des formes accessibles, souvent ludiques, festives, conviviales, qui font que en même temps qu'on réfléchit, qu'on travaille, on se fait aussi plaisir et on passe des bons moments. Voilà. Bien, merci Yvan Détrasse, donc directeur pour le Bruit du Frigo, et je vous dis donc à bientôt sur le réseau Environnement et Développement Durable. Merci. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com.